Bonjour Quentin. Bonjour Denis. Alors l'actualité, c'est Total qui rachète Direct Energy. Alors il me semble que vous suiviez de près Direct Energy. C'est très exact, Anthony. Direct Energy aujourd'hui est la première ligne de Roc et la deuxième ligne de Roc Europe. Donc c'est un acteur, pour rappel, qui est un fournisseur et un producteur d'électricité français, qui a été créé en mars 2003 suite à la déréglementation du marché en France, un marché qui a été longtemps trusté par EDF et Engie. Et Direct Energy, qui a toujours été une entreprise qui était orientée client, avec l'idée vraiment c'est d'apporter plus de services pour faire de la conquête, est passé de 0 à plus de 2,5 millions de clients en France et en Belgique, ce qui en fait le numéro un des fournisseurs alternatifs dans l'Hexagone. Alors pourquoi un acteur comme Total s'intéresse à Direct Energy? Donc Total, ils avaient annoncé son arrivée sur le marché en octobre dernier avec leur offre Total Spring et ils se sont rendu compte que finalement Direct Energy, qui est un acteur qui a vraiment qui avait 2,5 millions de clients sur notamment sur EDF, et ben un acteur qui avait un actif client fort et bien géré avec toujours cette volonté, comme je le disais, avec plus de services. Et pour Total, finalement, c'était leur permettre d'accélérer sur ce marché. Et donc aujourd'hui, Total, en faisant l'acquisition de Direct Energy, arrive à plus de 4 millions de clients, ce qui en fait le troisième opérateur sur le marché français. Donc j'imagine que cette acquisition a un impact non négligeable sur les fonds TrustTeam, du coup. Exactement, et vu que c'est la première ligne de Roc et la deuxième ligne de Roc Europe, donc il y a eu un impact très positif, hein. Ça a permis au fond de générer de la surperformance. Pour rappel, c'est quand même la 17e OPA qu'on a connue depuis qu'on a lancé le process Roc en décembre 2010. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que quel que soit le secteur, finalement, des entreprises qui sont orientées clients, qui ont vraiment cette volonté d'apporter plus de services dans un marché de plus en plus concurrentiel, génèrent de la croissance, de la rentabilité et surtout attirer les investisseurs. Donc nous, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une prime de 30% qu'offre Total sur le titre de Direct Energy. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Anthony.